Allez, salut tout le monde, c'est Tado et je suis en compagnie de Tankounet, d'Iso et de Transport. J'espère que vous allez bien les mecs, que vous êtes en forme. Forme de quoi? On est là, on se retrouve pour une saison tout à fait spéciale, quelque chose que vous ne connaissez pas, enfin si, que vous connaissez mais que vous n'avez jamais vu avec nous. On va partir sur un Farming Kingdom. Alors pour ceux qui sont pas complètement cons, ils ont compris ce que c'était. Pour ceux qui sont complètement cons, ils n'ont pas compris. Vous connaissez sans doute le Fallen Kingdom créé par Zelvac en compagnie de Kigar, Instar Butcher et Natu. Instar Butcher et Natu, tout à fait. Nous avons repris un peu les règles et les principes de ceci pour les mettre un peu au goût du jour. On va remettre si t'es pas avec Tado Trans, tu vas te faire défoncer. Hein, on va remettre un time 7-0 pour l'intro. Et on va un peu vous expliquer les règles et principes afin de vous pas. Voilà quoi, vous avez compris. Afin de pouvoir parler de tout ça, que vous soyez bien en place avant qu'on commence, on va également définir les équipes dans cet épisode. On t'a vu Tank, vide ton inventaire. Je l'ai vidé, t'inquiète. Et puis on se retrouvera après pour le deuxième épisode. Voilà. Iso, ça, ouais. Oui, nous t'écoutons. Alors c'est un Fallen Kingdom assez basique. Chaque équipe doit construire une base de 21 sur 21. Elle ne peut poser aucun bloc en dehors de la base, sauf exception qu'on verra plus tard avec la TNT et tout le tralala. Le but est de construire donc de faire les objectifs le plus rapidement possible afin de pouvoir attaquer la base adverse et de contrôler la salle des coffres au moins 2 minutes. Donc les règles ont été un petit peu modifiées hein, vis-à-vis pour nous, on a décidé de le faire. Voilà. Il y a un drapeau de 2 barrières, de laine pour chaque équipe. Et on peut le déplacer, mais on doit le replacer, puisque c'est un des objectifs pour pouvoir attaquer la base adverse. Mais arrêtez. Alors, les règles. Donc aucun bloc ne peut être reposé en dehors de la base, sauf la TNT, les torches à redstone. Par exemple, vous ne pouvez pas bloquer une source d'eau... avec des blocs, mais par contre vous pouvez l'arrêter avec une torche. C'est ça. Ou source de lave. Par conséquent, tout craft qui demande une table de craft doit être fait dans la base. La salle des coffres doit être construite dans l'enceinte de la base. Avec un certain nombre de blocs en dessous, hein, logiquement, Iso. Pardon ? On a placé un nombre de blocs en dessous maximum pour l'enceinte de la base, non ? On peut le définir assez rapidement. On peut dire que ça doit être dans les 20 blocs en dessous de la base. Comme ça, voilà, je pense que c'est très bien déjà ça. On prend le cube 21 sur 21 et il va en haut et en bas, c'est réglé. Voilà. Ça fait plus un cube, ça fait 21 x 21 x 21. Je t'emmerde donc. Alors tant que la salle des coffres n'est pas construite, un seul double coffre est autorisé. Il doit être placé en extérieur. Ce double coffre ne peut être pillé et doit être vidé lorsque la salle des coffres est prête. Cette salle doit être accessible, bien sûr, sans poser de blocs. Ou le détruire. Donc on ne peut pas ni poser ni détruire de blocs. Pas de torche en redstone non plus. Le PVP commence au jour 4. Donc pas maintenant les gars. Ouais. Et je suis où. Oups, ça bloque. Et on ne peut pas attaquer la base adverse avant d'avoir fait les objectifs. Mais aussi avant le 7ème jour. Oh il s'est mis en créa quoi, il est pas joueur. La salle des coffres ne peut être attaqué ou contrôlé que si tous les objectifs ont entièrement été réalisés et que le drapeau est intact. Yep. L'obsidienne ne peut pas être utilisée dans les constructions. Effectivement. On ne peut pas casser de blocs à la main ou en poser dans la limite de la base adverse, sous-sol compris. Si vous êtes bloqué, la mort vous attend. La taille des différents bâtiments demandés et leurs caractéristiques générales doivent être claires. Oui, ça c'est déjà fait, et on l'a déjà dit. Pas mal, hein. C'est déjà pas mal, hein. Les blocs de TNT peuvent être posés sur toute la map. Les trappes et les portes peuvent être ouvertes à la main, à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Ainsi qu'à la pioche, le pied, la hache et le couteau. Voilà, surtout le couteau, j'aime bien. Et autre chose, il est interdit de vider un dispenser à la map. À la main. Oui, à la main, évidemment. Sauf si c'est le vôtre. Oui. C'est une petite astuce effectivement intéressante. Donc... Détail, l'enderpearl est autorisé et le seau de lave n'est autorisé qu'en défense. C'est ce qu'on avait dit, je me souviens bien. Ouais. Voilà, donc on ne peut pas attaquer avec un seau de lave. Voilà. Excuse-moi, Trans. On ne peut pas le poser le bloc de, enfin la source de lave ou la source d'eau que dans sa base. Il est vraiment dans ses chiottes aujourd'hui, hein. Moi je dis rien, mais... Oui, comme d'hab. Hein. Tout à fait. Alors, donc, vous voulez, hein. Pour ce qui est des objectifs, il y a des objectifs de base et il y a des objectifs assez... un objectif assez personnalisé plutôt. Pour les objectifs de base, il faut une muraille de minimum 5 de haut, il faut une maison, il faut un champ de nourriture, donc 25 blocs de blé. Et il faut qu'il soit récolté au moins une fois, donc les 25, pour que l'objectif soit atteint. Et il faut également une salle de coffre, qui, je rappelle, doit être joignable par un chemin sans casser de bloc. Et nous avons un objectif très spécial, puisque cette map a été faite, enfin, en tout cas a été modifiée par Eska. Et il s'est bien amusé, donc il nous a préparé plein de petits trucs, ça va être très très amusant. Et son objectif est... il faut trouver en fait sur cette map un bouton qui est pour chaque équipe, donc on le verra très bien, il y aura les couleurs de l'équipe juste à côté, j'imagine. Ouais, rouge ou jaune. Rouge ou jaune. Ce bouton va nous téléporter dans un donjon où on aura le droit de casser que les laines. Et si on réussit ce donjon, on n'a pas trop le choix en fait, eh bien on va avoir on va avoir la possibilité de choisir entre 8 coffres, et on ne pourra en choisir qu'un seul. On ne sait pas ce que contient les coffres. Bien sûr. Oui, nous n'essaye pas de comprendre. Continue. Oui, d'accord. Go. Et on a un objectif optionnel qui est de trouver une pastèque dans les caves. Ça pourrait être amusant quand même de le faire. Ouais. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de tout. Ouais, je récapitule rapidement. Pas de PVP avant le jour 4, pas d'attaque de base avant le jour 7. Il faut une maison, une muraille de 5 de haut, un champ de 25 blocs, avoir fini le donjon et avoir créé une... salle des coffres qui est accessible sans casser de bloc, et l'obsidienne est bien sûr interdit. Voilà un peu le récapitulatif global. Maintenant je propose qu'on monte en haut ISO et qu'on définisse, et surtout pas en bas. Allez, non, juste Tado et ISO qui montent, hein. Nous on n'a pas à trans. Non mais venez les fans de boulets. Vous restez là. Hop. Alors Tado, je te laisse expliquer à quoi servent un petit peu les deux boutons qui sont présents dans cette salle. On a un bouton ici qui définira le lancement de la partie, qu'on fera juste après, et on a ici un bouton pour le choix d'équipe. Donc en fait c'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton avec un clic droit, je le précise, droit, hein. Étant donné qu'en plus on est en créa pour le moment, merde, et on va recevoir, comme vous le voyez, une laine. Cette laine va définir la couleur de l'équipe. Voilà, j'ai pas de rouge ou jaune, c'est ça, rouge ou jaune. Bon, alors, vu que je n'ai aucune truc, voilà. Pense. Oh merde. Bon bah tank, hein. Oh là. On va la refaire, c'est pas possible. Non. C'était prévu. On va la refaire. Non, on la refait pas. Voilà. Allez, on va pouvoir lancer officiellement la partie. Et juste après le lancement, on se retrouvera pour l'épisode 1, en fait, étant donné qu'on est en introduction ici. Oui, en fait, oui. Oh, l'épisode 0, Tado. Oh, l'épisode 0, ouais. On se retrouvera chacun dans notre camp. Voilà. Allez. C'est un petit message d'Eska. Il fallait quand même en mettre. Et il y a des feux d'artifice. On va essayer de sortir. Qu'on ne voit pas. Ouais, alors ça, c'est... Pas ici, tant que pas. Autant que je suis dans toi. Je suis dans la transe. Ah, les têtes de creeper. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ça présage quelque chose là. Ah, je les vois plus là, personnellement, voilà c'est fini. C'est fini. Bravo, bravo. Allez. Voilà, voilà, vous avez une grosse vue des maps et on se laisse ici. Salut, salut. Bye bye. Et à tout. Bye bye.